Allez, cette fois on se roule là en or en 6S avec le pignon de 21. Ça devrait envoyer sévère. Ouh là là. Alors faut chauffer les pneus. On va laisser passer. Alors, on va faire chauffer tranquille. Oh putain, je l'avais pas vu croque au fond. Oh oui, ça marche sévère. On va reprendre en main après l'MCD. On est suivi par Jessica là qui envoie. On n'a pas le même niveau là. J'essaie de la suivre pour voir, mais elle envoie. Alors en point un peu, je passe devant, mais. Ah non! Je vais essayer d'être propre, je fais des bêtises. Putain, je suis déjà en coupure, c'est un truc de fou. Alors là, c'était quand même une Varx 6008 en 6S. Ah, c'est bizarre ça. Alors ce qui s'est passé, c'est que le moteur 2000 kV s'est mis en coupure thermique. Ça chauffait pas mal, pignon 21 et 6S, ça faisait beaucoup pour lui. J'ai encore 70% de batterie, du coup je suis passé sur un 4214 1850 kV. Là c'est un moteur roquette. J'ai laissé le pion de 21 en 6S. On va voir ce que ça donne. Normalement ça va aller un peu moins vite. Et on va voir l'autonomie également. Je referai des tests après en 4S. Voir si l'autonomie est meilleure qu'avec le 2000 kV Quick Run. J'ai discuté avec Manny. Il me disait que dedans, dans le Quick Run, il y a une cage de protection. Ce qui le rend quasi indestructible, le moteur. Mais par contre, ça joue sur la consommation. D'où les runs de 7-8 minutes. On va voir ce que ça donne avec celui-là. Allez, on va essayer ça. Est-ce que je vais sentir une différence entre le... Tu sais, j'avais le Quick Run 2000 kV juste avant là. Et je suis passé sur un Rocket 1850.
Ouais, puis le prix des moteurs, il y a une petite différence quand même. T'as une différence de prix de 25% entre les deux quand même. Alors, est-ce que ça vaut le coup en loisir de... Ouais, c'est ça, de Quick Run, est-ce que ça vaut le coup? On va voir. Là, tout de suite, on ressent rien, honnêtement. Là, je suis en 6, ouais. Ah oui, ça se voit. Ah, c'est super efficace, franchement. Je vois pas de différence. Hein. Je vois pas du tout de différence entre le Quick Run et celui-là. Sauf que là, ben voilà, vous êtes 25 euros moins cher. Alors faut voir dans le temps, hein, si ça se trouve. Ouais, mais en loisir, est-ce que t'as besoin de... Mais en ressenti, franchement, c'est la console, je pense qu'elle va être meilleure sur celui-là. Après, ça sera la durée de vie des deux moteurs. Après, la durée de vie, je sais pas. Ah ouais, elle tient bien, ouais. Puis réglage de base, hein, suivant le... Tu sais, c'est un kit à monter. T'as un bout ? Non, non, c'est une spool au centre. Ah, oh, je me remets en coupure thermique. Bon, là, on chauffe encore. Pignon 21 6S. Ouais, là, c'est bouillant. Hein. Le moteur est archi chaud. Hey, Jean-Marc, l'année dernière, tu te rappelles ? Quoique, on est qu'à 70 degrés, hein, c'est pas non plus fou. Il va où t'as 60. C'est pas dingue comme chaleur, mais... Apparemment, c'est trop pour lui, là. Ouais, 80 degrés, le moteur. Va falloir redescendre un peu le pignon. C'est dommage, elle s'en voyait bien. On va mettre du 20. En 19, c'est un peu juste. Non, 18, on va mettre 20. Allez, en tout cas, c'est vraiment un régal. Si vous vous posez la question, si vous avez l'occasion d'acheter une voiture comme ça, je ne pourrais que la recommander. Sincèrement, c'est... C'est ultra efficace, hein, ça surprend pas mal de monde. Dans les courbes, ça accroche, c'est un truc de fou, j'ai rien fait dessus, j'ai juste monté le kit. Ça tient vraiment super bien le pavé. Et l'usure des pneus est en plus super bonne. Hein. L'usure des pneus GRP là est ultra bonne. Donc rien à redire. Je suis vraiment content d'avoir testé cette machine. Et je la testerai encore, et encore, et encore, je pense. Sur ce, une très bonne journée à toutes et tous, et comme d'habitude, bisous, caresses.